À midi, moi présente ma avec louange. Merci pour tout ce qu'on fait pour moi. Le matin, moi chante la justice. À midi, moi chante grand amour. Avant de dormir, moi chante miséricorde. Ô éternel, prends pitié pour moi. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Jeudi, c'est vendredi 21 janvier 2022. Eh bien, si nous encore vivants, nous encore vivants, sans grâce, sans faveur, nous pas bien suspendu et bénisère, jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Comment y est, santé ou activité, ou m'espérez que vous très bien, oui, par la grâce de Dieu. Ces hommes et frères, Pasteur Badette Wilson, qui rentre la caillou. Grâce à l'église Tabernacle de la Grâce qui est dirigée par Pasteur Jean-Ricardo Rodney. Si vous demandez des prières, allez dans le lien numéro 1, cliquez sur lui. Et l'église Tabernacle, il y a un groupe qui l'a pour ça, pour capable d'aider dans la prière. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous invitons capable d'ouvrir la Bible avec nous bien rapide dans Ephésiens chapitre 6, le verset 13 à 14. M'appelez pour vous. C'est peut-être ça. Depuis qu'il y a, prenons toutes les âmes, bon Dieu, yo, comme ça. Les mauvais jours va arriver, n'a qu'à kembe tête à quel mien. Les batailles là va finir net, n'a campé là bien ferme, n'a position nous toujours. Pare qu'on nous, en mare vérité, à tant qu'on sentiron nan ren nou. En protéger nous, à justice bon Dieu, à tant qu'on plaque protège soldat yo, mette sous l'estomac yo pour protéger yo. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, à ce moment-là, nous voulons parler de combat spirituel. Le combat spirituel, il est réel. Okay? Il est réel, mais il n'est pas fait physique. Même gens que soldats romains, qu'on a habillé dans la guerre, dans la bataille. Même gens que soldats américains, je dis à faire. Même gens que en Haïti, nous avons des policiers qui habillés, qui mettent des gilets, qui ont tout le bagage sous eux. Et puis, il y a aller dans la bataille. Donc, ce n'est pas comme ça que lié par physique, mais li réel parce que li spirituel. Donc, avec moun, avec elmi que nous avons goumé, eh bien, li pas visible. Ok? Mais yo là. Et ce sont des esprits qui là, des esprits méchants, ou des autorités normalement qui n'ont lié céleste là, qui là. Donc, nous besoin saisir les âmes de Dieu pour nous capables de résister dans mauvais jours. Et parler de mauvais jours yo capable venir sous toute forme. Mauvais jours yo, je dis y a gagné et problème. Nous connaissons monde là, tu connais sacré le coronavirus. Je dis y a c'est toujours même bagaille qu'a répété. Donc en Haïti là jusqu'à présent, yo pas dit qui ça, mais question fièvre, grippe. Donc moun yo malade, problème tête chargée, pas grand rien que j'en fait. Donc c'est en forme de mauvais jours. En Haïti tout question insécurité ya. OK, kidnapping, moun kap mouri, san kap koule. Donc voilà, c'est des mauvais jours que haïtiens nous ap konnen jodi a. Et à travers monde là que ou même ou capable peut-être c'est une maladie ou gen doit pas malade ou même c'est gen doit une persécution. Donc qui présente un mauvais jour pour ou, li capable venir sous n'importe forme. Mais à soya gen yon bagay que ou besoin konnen qui vraiment important. C'est que ou besoin gagner la parole de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre lui-même lui a parlé de vérité pour ceinture. Soldats, ont toujours besoin de ceinture. Le pourquoi? Pas oublier que à cette époque, les soldats romains, eh bien, ils ont conseillé des gros robes qui ont qu'on a metté. Okay? En tant que soldat, robe, ça, il faut que tu aies une ceinture pour passer là-dedans, pour boucler. Yo. Et avec ça, soldat est capable de faire des déplacements plus faciles. Les que li nan bataille. Donc voilà, Paul lui-même lui prend la vérité, lui montre nous que nous devons gagner pour ceinture, mes bien-aimés frères et sœurs, Astroya. Et bien, on besoin d'être attaché dans la parole de Dieu, même dans le psaume 1er, il dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Ok? Et Josué, chapitre 1er, verset 8. Li montre que automatiquement ou rete nan vérité, ou rete nan parole là, eh bien, ou a réussi nan entreprise. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, yon nan âme qui très puissante, que nous besoin gagner
pour nous résister dans mauvais jours, c'est la parole de Dieu comme vérité pour ceinture. Non. Et deuxième âme qui cite à travers le texte, c'est la justice. On doit appliquer la justice dans la famille, dans le voisinage, au côté que vous travaillez, tout côté que vous êtes. Donc, on doit gagner la justice. La justice là va servir comme une plaque pour protéger l'estomac. En là que les soldats mettaient gilet pare-balles pour protéger l'estomac, eh bien, c'est parce que c'est un organe qui vraiment en fragile. Donc là, ils ont protégé. Donc nous-mêmes, nous avons besoin de la justice pour nous capables d'avancer dans le mauvais jour. Pour nous capables, mes bien-aimés frères et sœurs, résister, mes frères et sœurs bien-aimés. Donc pour ces journées, on dit, prends toutes âmes, bon Dieu, yo, mettez sur nous pour capables de résister à gain victoire sous ennemi. Donc vous avez besoin de texte ça net pour les âmes de Dieu. Donc nous avons besoin de prendre, mais pas oublier que âmes ça yo. Yo pas Chanel, mais yo puissante pour yo renverser les forteresses. Donc, vous besoin toutes amis pour prendre parti qui t'ont parti, mais on nous prend toutes amis pour nous mettre sous nous. Et 2022, ça, les nous trouver nous dans difficulté, les nous trouver nous dans mauvais jours, eh bien, n'a capable résister à la gloire de Dieu. Pas oublier, mes bien-aimés frères et sœurs, nous t'a parlé où, Astroya, du combat spirituel. Le combat spirituel, nous t'a dit que l'est réel. Et deuxièmement, il y a deux âmes qui citent là que nous avons besoin de prendre, qui c'est la vérité pour ceinture, la parole de Dieu, la justice comme plaque pour protéger l'estomac. Donc voilà, nous avons besoin d'éléments sérieux. Et si que nous prenons, nous sommes capables de résister dans mauvais jours. En nous prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu fidèle, Dieu réel, Papa, nous qui en haut dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons. Merci pour grâce ou pour amour. Cher Seigneur Dieu, nous par connaissons parfois comment mauvais jours sont capables de vivre. Parfois c'est maladie, parfois il y a une insécurité, parfois c'est une calamité, une souffrance qui paraît un mauvais jour pour nous, Seigneur Dieu. Mais aidez-nous pour nous capables de résister dans mauvais jours. Nous demandons autant pour bénir chaque frère et soeur qui t'attendait nous à ce frère, à couvrir le cachot, l'église avec la grâce. On va bénir frère et soeur, nous, Seigneur. Si la malade, on va guérir. On va faire nous grâce, hein, cher Seigneur Dieu. Et comme ça, nous comptons sur nous, croyons en vous, que vous êtes capable de toucher chaque frère et soeur nous, yo, en fonction des besoins, yo, à ce frère, Seigneur. C'est prière que nous adressons avec vous, dans le nom de Jésus-Christ, petit ou cap vive, pour tout temps éternellement. Amen. Déjà, bonne soirée, bon week-end, que bon Dieu capable de bénir nous abondamment.
tout est prêt pour nous. Ces bons amis nous pas jamais gagnons l'âge sans mi-temps en nous vivant sans si nous voulons mettez nous ensemble. Pour l'ancien